n'a dénoncé un complot, une mafia dominicaine mêlée avec une mafia haïtienne qui gagne des mondes en dedans de l'État yo, qui a comploté. Et si nous pas fait, si nous pas prend, puis bonnet a bien un génocide pas trop longtemps dans Waname côté que nèg yo planifié pour que yo pas quitté canal la fini pour yo capable continuer rentrer avec des produits expirés empoisonnés sous territoire là. Eh bien, c'est dans logique ça nèg yo monter bande armée ça. Et m'a dit nous il y a un bagage qui s'est passé récemment dans la douane Belader. Soldats dominicains arrivaient tirer à hauteur d'homme pour un camion ciment qui ont eu besoin de faire entrer de manière illégale, vin vendre ciment sous territoire national. Et bien, ça qui passé, ils ont crasé barrière. Lorsque ils ont fini de craser barrière, ils ont tiré à hauteur d'homme pour permettre. Pour yo faire pression sur agent douanier yo pour yo ka kite yo rentrer avec camion ciment ça qui pas rempli aucune condition pour te vinn vendre ciment sur territoire national là. Et jusqu'à présent malgré tout pouvoir Ariel 3e version pas jamais fait rien pour que li résoudre problème ça lorsque n'a gardé ses souverainetés pays que dominicain a passé en papier chaque jour. Pour finir, n'a pas demandé la population haïtienne, la population qui vit dans Wanamet. N'a pas dit que ça m'a dit. Il y a une seule façon pour que vous portiez victoire dans la bataille de souveraineté, ça qui a fait, c'est goumé pour jeter Ariel. Ariel, c'est ton tweet qui te met. C'est représentant de la communauté internationale. Là. Moun sa yo depuis 10 ans yo pa jam fait rien pour population et yo pa jam fait rien. Seule façon pour que nous joignent ça qui appartenir avec nous pour nous joindre ça qui bon pour nous c'est goumé pour nous mettre un pouvoir national, un pouvoir qui pa gen nan tête li oligarque, un pouvoir qui pa gen nan tête li corrompu, un pouvoir qui pa gen nan tête li marionnette ambassade américaine la France Canada. C'est là ça n'a dit que bataille là, il n'est pas fini, mais au moins nous marrons bout la donne. Dans le mois de janvier, Kapé Sam dit, vu tout constat alarmant, ça, nous demandons à la population, il faut que pas chômer. Parti qui te paye à pas seule alternative. Et la presse en général, pour déplacement, ça, que vous faites. Lorsque vous venez assister à Kapé Sam dans la conférence pour la presse, côté que nous venons pour nous dénoncer un ensemble de gabji, un ensemble de Zach, pouvoir Ariel, PHTK, troisième version, que la communauté internationale a imposé dans tête pays. Lorsque nous dit communauté internationale, il faut qu'ici vous connaissez. Misère que n'a passé là, c'est l'ambassade Canada, la France, États-Unis, qui imposait Ariel, et c'est ça que fait. Toute action que Ariel posait, c'est non en faveur communauté internationale. Mais avant de continuer, permettre que moi saluer départ yon camarade, yon militant qui tape goumé pour que canal cap fait du côté de Wanamet Nord-Ouest, Nord-Est pays a capable fini. Eh bien, camarade Aldof Franky, li mouri. C'est un camarade que un pile monde connaît sous nom Canal d'eau. Nous même dans Kapé Sam, c'est vrai, un pile monde a dit que camarade là mouri dans sucre. Mais nous même dans Kapé Sam, nous mandé pour que gon enquête qui l'ouvrit sous disparition tragique camarade Aldof Franky, connu sous le nom de Canal d'eau. N'a dénoncé pouvoir Ariel, pouvoir PHTK 3e version qui imposé par communauté internationale là, qui pas jamais fait rien pour marchand, pour commerçant qui nan Wanamet, qui perdit toute marchandise yo nan marché
Dabon. Marchandise a perdu sous manque d'implication gouvernement haïtien. Lorsque nous avons rappelé, nous avons un pile de marchandise à Dominique Boulé, gagné qui gâté et gagné tout qui pas gâté. Mais pour voir Ariel là pas arriver faire un yin pour Mounsayo, t'es capable de récupérer marchandises que vous gagnez dans le marché d'Abon. Nous dénonçons Ariel énergiquement pour mauvaise foi, pour son cynique qui permet que il ne pas jamais poser aucune action dans l'avantage pays, dans l'avantage Mounsayo. Malgré le marché binational qui existait sous frontière là, eh bien, seul produit qui arrivait, vendre l'autre bois et rentrer sur le territoire dominicain, c'est seulement des produits qui rentrent par contrebande qui fait en Haïti. Pendant ce temps, en Haïti, nous sommes capables de constater un pile produit dominicain à vendre tout partout sur le territoire national là. Pendant ce temps, produits haïtiens pas qu'à rentrer en République dominicaine malgré bon marché binational qui créé pour que deux pays ou deux peuples qui ont écoulé produits que ont fait la caille. Mais tout ça, c'est parce que nous n'avons pas gagné des dirigeants responsables, des dirigeants qui travaillent au profit de la population, mais c'est des dirigeants que nous avons rappelé nous. Que Madame Lalim, qui c'était un maman gang, t'es sorti en tweet, yo t'es imposé Ariel sous complicité ambassade américaine France Canada. C'est ça qui permet que rien qui a passé en dedans pays a pas dit Ariel rien. Sous question gagote, malversation, droit haïtien qui a foulé la journée tant que la nuit en République dominicaine. Gagner un espace que nous tendons à l'espace neutre entre République dominicaine avec Haïti. Nous avons rappelé pour l'histoire et la vérité en 1929 sous président Vincent et ancien dictateur Raphaël Trujillo, xénophobe, délimitation pays d'Haïti était faite avec République dominicaine et t'es gagné l'île frontalière là qui était tracée. Nous pas jamais connaître un espace qui était l'espace neutre. Et ceci, en droit international, certainement nous reconnaître capable de gagner. Et si gagner, m'a voyé nous tous journalistes à mener une enquête. Espace ça, il construit sous territoire pays d'Haïti et c'est seulement Dominicain qui a accès pour piler espace ça. Nous-mêmes en dedans Kapesam, Kap Goumé pour souveraineté pays dans son entier, nous dénoncer amèrement, sévèrement, pouvoir Ariel Henry, qui là, depuis plus que 2 ans, qui n'a jamais fait rien pour arriver non seulement mettre sécurité, créer conditions pour que la population soit capable de manger. Plus que moitié de la population haïtienne dans l'insécurité alimentaire. Qui vole Ariel Henry? Jouer dans le pays, Jean Camarade et M. Théophile Sotil, pour c'est Ariel Henry que CARICOM a proposé et a fait tout ça à faire autour de lui-même. Qui ça Ariel représente pour nous que yon malheur pour que la communauté internationale, là, plus précisément, ambassade américaine encore, ambassade de la France et Canada, continue à imposer peuple haïtien Ariel Henry et nous connaît Ariel Henry pour que j'aime faire yon bagay qui bon pour population ça. Pour finir, gagne un génocide qui a planifié sous population ou en a maintenant. Information que nous jouons dans Kapesam déjà dit nous que Sam y a sorti sous bois dominicain pour que nèg yo ka continuer imposer marché haïtien des produits expirés, empoisonnés, qui sortent de la République dominicaine pour rentrer sans contrôle sur le territoire haïtien. Et c'est raison ça même qui fait soldats dominicains te tirer à hauteur d'homme
et projectile ça yo si nous voulons regarder dans douane Beladella n'a pas eu impact yo. Nous dénoncer pour que lorsque le fait pour nous pas dire nous pas connaît pour nous pas pour Ariel pas dire pas connaît et complot ça li gagne mafia haïtien la donne li gagne mafia dominicain la donne marché binational mes amis marché Ariel marché binational son marché qui fait pour tous les deux peuples yo capable écouler produit que yo gagne et bien dans marché qui en République dominicaine là tout produit capable de vendre sauf produit haïtien. Tandis que la Kainou, tout produit dominicain vend. Si vous jouez un produit en République dominicaine, qui c'est produit haïtien, connaissez pas contre bande de passé. Ça dit, effectivement, nous pas gagner l'État, nous pas gagner dirigeant, et nous pas gagner monde qui défend nous. Je finis pour faire un appel avec le peuple et avec la population dans le département de l'Est. Capital de faire une conférence de presse déjà pour le dédier population. Yo seule façon pour que le canal ça utile, c'est si nous arrivons à mettre un pouvoir légitime, populaire, que la population fait confiance. Un pouvoir que la communauté internationale a mis pour garantir l'intérêt. En aucun cas, yo pas jamais venir faire ça qui bon pour nous. C'est ça que fait nous apprendre. Capital m'a dit. Dans le mois de janvier qui a fini, nous allons décréter la permanence pour que le peuple prenne des décisions en main. Ce n'est pas parti qui doit solution le peuple, mais c'est retourner pour que nous fondions l'État-nation que nous avons besoin. Merci la presse. Parti avec l'organisation qui signe à Comontana. Nous venons aujourd'hui à là, qui c'est 19 décembre, pour nous venir à bilan. Troisième version PHTK. Malgré nous te en bail bilan premier deuxième, alors bilan premier version si Simon Clinton non. Deuxième version qui te gen là dans le banan avec le groupe là. Et bien troisième version qui c'est gouvernement cynique à Calcom. Nous venons constater que impunité à corruption sans contrôle dans toute dimension, roi Ariel, seul capitaine à bord. Nous constatons kidnapping d'État sous toute forme, dans toute société, qui a multiplié et qui a monté avec un taux exponentiel. Aucun monde n'a pas épargné la société. Insécurité planifiée, généralisée, sous toute forme. Côté que l'État met un groupe moun dans la rue a touché cop pour porter bayo pour capable payer comme les doué sou avec Calcom là. Massacre qu'a fait dans tout quartier qu'a fait résistance avec pouvoir sanguinaire. Et puis yo fait tout cerveau grande société a professeur, avocat, médecin pour quitter pays a pour cause insécurité généralisée. Territoire qui a perdu, pas même ministre justice là, dans tout quartier côté que moun yo vle vivre, mais territoire ça obligé perdu pour capable joindre cop. Yo livré yo pour capable joindre cop pour payer bandi yo. Et puis pour toute raison ça yo, n'a mandé avec moun qui victime dans impunité, moun qui victime dans kidnapping. Moun ki victime nan insécurité généralisée. Moun ki sibi et victime nan massacre. Fami moun ki sauvé ki te pays yo. Avec moun ki yo kouri derrière yo nan kay kote yo te ya. Sou yon plainte collectif ke ap Kapesam ap organisé nan mois janvier là pour nous fin pote plainte contre moun ki sou tête nan pouvoir qui planifie insécurité généralisée, qui c'est Ariel Henry, André Michel, mon accord 21 décembre avec mon accord 11 septembre pour nous porter plainte contre tout groupe monde ça yo pour crime de fait pays et n'a lancé mobilisation générale. Mobilisation Mobilisation Mobilisation
dans tout à partir de mois de janvier qui vient là sur tout terrain pays d'Haïti. Merci.